Les fumiers, les fumiers. Jean-Claude, mmh. Ils ont déjà changé la plaque et tu es sur la porte de mon bureau. Non. Attention, hein. Jean-Claude, quoi? Ils ont déjà changé la plaque et tu es sur la porte de mon bureau. Il n'y arrivera pas. Ah, il n'y arrivera pas, hein. Je le connais, oula, je le pratique. Hein. Jean-Claude, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont déjà changé la plaque qui est sur la porte de mon bureau. C'est toi, là. Oh, mais non. Oh, non, l'enculé, c'est pas vrai. Oula. La plaque... Celle-là, là-bas. Non. Ah, ben elle est là, ben, ça va. Fin du sketch. C'est con, hein, de se faire piquer par une raie le premier jour de son arrivée à Malte. Hein. C'est pas de chance, quand même. Ça, Jean-Claude. Ouais. Et ils t'ont envoyé chier. Tu bosses comme un chien pour eux et quand tu leur demandes une prime, même pas une augmentation. Oh, mais... Oh! It's pretty. On bosse pour eux comme des chiens, tu leur demandes une prime, même pas une augmentation. Oh, putain! Je t'en mets une, je te jure. Le start-up, c'est très simple. Tu prononces les E. Attention, là, je suis parti sur un truc super compliqué. Non, mais coupez pas. Pour moi, ça tourne, là. Hein. Tu dis pas que c'est moi qui ai appris, hein? Qui t'a appris? Oh, dis donc, Bruno! Mais on coupera avant! On s'en fout de cette sortie, on coupera avant! Ouais, c'est moi qui suis producteur, c'est moi qui décide! Yvan, t'es d'accord avec moi? Oui! Bon, email, par exemple. Ouais. Mail, en anglais, ça veut dire courrier. Ouais. Et le E que tu prononces I, mais qui est un E, en fait... qu'est-ce que ça veut dire déjà? Oh, c'est dommage, je l'avais prévu. Ah oui? Je te mets quand même un petit pain au cas où tu l'aurais raté après. Il n'y a plus personne qui répond au téléphone. Mais c'est des pipons. Mais laisse-moi parler. Ah, mais oui, dis donc. Allez. Mais dis donc, hey. Non, c'est bon, tu continues à tourner, je pense que ça va pas se voir. C'est bon, ça tourne, pour moi ça tourne. Hein. Pour moi, elle est pas loupée, celle-là. Laisse-vous finir. Je profiterai royalement de mes deux semaines de demi. Voilà. Et c'est pas du fumier là-haut, hein? Elle a goutonné. Je peux pas. Il y en a partout. Salut, chantez à mon. Salut, là. Ça, j'ai peut-être de mettre un taquet dans ta gueule, quand même. Salut Chantal, qui nous fait, là. Au revoir, Chantal. Dis bonjour au nul. Crétin, là. Mais t'as pas un dictionnaire? Ah bah non, c'est bête, ça. Un dictionnaire, 1200 pages, 6 kilos dans les fois. Oh, vilain. Regarde, à ça. Tout passe, tout lasse. Sauf la classe. Allez. Merde. Quel con. C'est ton doigt qui a glissé ou si t'as envie de te faire vomir? Venez de la terre, force à du destin. Bonsoir. Là, c'est du sabotage. Et ma terrasse, et mon balcon, et ma baie vitrée, qu'elle est toute nettoyée. Ouais, c'est bien. Allez, allez. Je sais plus la suite, hein. Va falloir que t'arrives quand même. Hein. Mais faut que tu dises action, hein. Non, mais moi je peux pas, je joue. J'ai vachement la pêche. Ça se voit pas que j'ai vachement la pêche et toi, t'as pas vachement la pêche? Mais si, j'ai la pêche, pareil. Ah ouais? Eh ben c'est très content. Qu'est-ce que tu branles avec ta radio? Mais là, dans un instant, là, tout à l'heure, je vais participer à 1000 euros pour... Oh, attends. Oh, hey, merde. Hey, oh, ça va? C'est la première fois que je me gourde depuis 76 sur un plateau. Merde. Oh, fais chier. Sylvain? Oui? Alex, sans déconner, j'y ai cru, là. Sylvain. Reviens. J'ai dit Sylvain. Oh, putain. Mais... Oh, merde! Putain, continue! Jouez, bordel! La CASAP, cette radio! Thank you.
C'est un malentendu. Oh, mais il est très déçu. Tu sais, il y a une théorie qui dit qu'un battement d'aile de papillon à l'époque. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Oui, je vais y arriver. On congèle. Ouais. Ah ah, je veux pas. Salut. Enchanté, Claude. Excuse-moi, mais je connais, ça va quand même faire rire. Hi. Hi. Ok. Oh non, Jean-Claude, mais c'est de pire en pire, hein. Tu vois, c'est toi, maintenant. J'en étais sûr. Hello, I'm the doctor. Salut. Hi. Allez, vas-y, retourne-y. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la crise de la quarantaine? Je sais plus. T'as quel âge? Mais t'as quel âge? Le petit frère. Ouais. Allez. Oh là là. Ils ont agrandi. Ils ont agrandi les bureaux, quoi. Ça, c'est vachement bon, aussi. Oh, mais bon. Viens. Tu veux des pièces? Oui. Encore des pièces. Hop. Bah alors. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis rien? Mais pardon, excusez-moi. Ouais. Je savais pas que ça jouait. Hervé, tu veux bien me faire des cafés? Bonjour, Annie Touchard. Enchanté, Hervé Dumont, responsable des achats. Dumont achat, attendez, je... Je vais revendre mon souffle, j'arrive. Dis donc, Jean-Claude, tu connais la phrase qui fait le plus peur au monde? Qui commence par Bijour et qui se finit par Dibor? Bijour, je suis votre nouveau commandant Dibor. Spice d'Icounas. Par contre, Gérard Depardieu, tu serais d'accord de rentrer dans lui, parce que monsieur ne rentre pas, non. Allez, on y va, on y retourne. Par contre, Gérard Depardieu, tu rentres pas dans n'importe qui. Il lui faut de la vedette à monsieur Hervé. Ah bah oui, je suis... Attends, je vais me chercher, j'arrive. Bruno, viens, viens, joue, Bruno. Parce que là, je... Bruno, viens, viens le faire à ma place. D'accord. Bonjour, je suis Salon. Ça devrait rouler. Connard, allez, casse-toi, casse-toi. Bonjour. Hervé Dumont, c'est pas le gars qui va choisir les crayons de couleur qu'on aura le mois prochain, ça? Hein? Méfie-toi qu'il est... Qu'il... Oh. Oh, dis donc. Oh, oh petit opin, c'est... Responsable des achats, c'est pas le gars qui choisit les crayons de couleur qu'on aura le mois prochain? Elle te paraît comment, ça, là? Oh, non, ouais. Chut, chut. Alain, t'as oublié ton portable. Regarde. On va voir, je crois qu'il rebondit. Il rebondit celui-ci, je crois. Si, il rebondit. Pédive. Là, sous mon nez. Je l'ai pas cru, avec ta sonnerie. Avec ta sonnerie de marsupilami, là. T'as pas un autre truc? Non. C'est un fumier, là. Qu'est-ce que je vais te dire? Oh putain, c'est à toi! Faut demander, mais tu. Il faut bien dire auprès de qui? Oh, dis donc, t'as pas demandé. Tu m'as pas demandé, tu m'as pas dit de demander. C'est dit, il faut vérifier. Ah oui, pas demander. On va voir j'en veux. Ah, moi, c'est au mot le Ah, mot, mais hein. Oui, mais le mot, ah, le ouais, mot. Ouais, t'as remarqué, ça, jamais c'est... je veux des vies. Ah, mais toi, t'es lecteur scolaire. Ah, mais moi, c'est ça, si c'est... tu me dis autre tu fois. Tu vas dire vérifier, tu peux pas dire vérifier auprès de qui? Non, il faut demander à qui? T'es capable de niquer un sketch parce que monsieur n'a pas le sens de la répartie. Qui puis-je? Hey, on est tout un tas pour pouvoir vous plaire. Vous plairez. Oh! Tu commences à me plaire, toi aussi. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, tu vois, j'ai changé de pilule et je. Cette nuit, j'ai rêvé de qui? Ah oui. T'épuises là, Bruno, il y a encore demain. Ouais, après-demain, je me sens bien là, t'es de moins en moins beau. Oh, Jean-Claude! J'arrive. Oh merde, c'est arrivé quand? C'est ton... Ouais, c'est mon coude. Ah bah ouais, j'ai deux bras, hein. Oh, Jean-Claude, t'as appris pour Robert Leparc? Oh merde. Oh putain. Bah écoute... Mais t'es comme ça, bah, je oui, te bah, j'ai il y a deux... pour toi, mon j'ai pote. J'ai deux coudes, deux bah, jambes. Oui, mais tiens-toi, pardon. Prévois que j'arrive. Putain. T'as qu'à bosser avec Mimimati, hein. Et comment le patron aurait passé l'éponge, allons. Allons. Ah, c'est pas Jean-Claude, ça. Jamais il pourrait dire allons. Jamais. Enfin. Tiens, c'est pour toi. Ah oh bah, t'as le bras court. Allez, continue. Ah bah ouais, on a une super bibliothèque à la maison. Tu
Hein, tu le maîtrises bien, tu m'avais dit. Hein. Voilà, tu le connais par cœur. On a emmerdé avec ma femme, hein, notre télé est en panne. Oh non, merde, avec ma femme, notre télé est en panne, ça fait un vide. T'es un fumier, toi, hein? T'es fumier, hein? Fumier, hein? Fumier! Oh non, merde, avec ma femme, notre télé est en panne, ça fait un vide. C'est marrant, hein? Un truc dans l'air, c'est la clim ou quoi, là? Ah, y a un truc, hein, c'est... Si jamais, jamais... T'es témoin, ça m'est jamais arrivé. Jamais. 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 C'est marrant, ce truc. Hein. C'est que notre télé est en panne, ça fait un vide. C'est pas le mien. Plonge-toi, Jean-Claude. Plonge-toi. Non, je peux pas le croire, il m'a... Oui, si, si. Il m'a coupé. Ah, profitez-en pour reparler. Mais reparler de quoi? Il est con. Pourquoi vous en profitez pas pour eux? Hein? Je sais pas. Pourquoi vous en profitez pas pour... Tu la reprends la pièce? Tu la reprends la pièce? Tout de suite. Tu la reprends tout de suite? Allez. Pourquoi vous en profitez pas pour... Je me demande si ça va faire... Je me demande. À mon avis, ça va pas faire rigoler les gens qui étaient à l'heure ponctuelle. Oh putain. Oh putain. Oh, c'était bien parti. Ouais, mais enfin juste le premier mot. Hein. Attends, tu... Salope. Petite salope. Alex, un poil plus sur ta gauche. T'es une chiennasse, toi. Hein. T'es une chiennasse. Regarde le jus de pisse que je lui donne là, j'y attendais pas. Bon alors je passe pas derrière, alors on le fait. D'accord, bon bah on le fait. C'est chacun pour sa gueule alors. C'est chacun pour soi, on... D'accord, ok. En tout cas, allez, juste un détail. Si jamais. Mais moi je viens. Tu fais une station fixe. M'aider? Qu'est-ce que t'entends par m'aider? J'ai besoin d'être aidé? Ah, le petit. C'est ça que tu as dit. Attends, pousse-toi deux secondes, pousse-toi deux secondes. J'ai besoin d'être aidé dans quel sens? Non, arrête, c'est arrête. Bordel, toi. Arrête. Hein, c'est... Bonjour, Carole. L'habitude. L'habitude. Et c'est quoi l'histoire qui se passe dedans? Ah, mais c'est pas une histoire, c'est un essai philosophique. Togger parle directement au lecteur, à moi, à toi, ouais, à nous. Et, quoi, au et qu'est-ce qu'il dit au lecteur? Mais c'est, pas un essai, c'est un essai philosophique, il parle directement à toi, à moi. Oui, à nous. Ouais, c'est pas ça, tu me fais deux fois. Je suis Adli, moi. Non. Si, c'est Togger qui parle au lecteur. Ah oui, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te préviens, ça va te faire chier. Ah, t'avais raison, ah, dis donc. Allez, file. Allez, file dans ta chambre. Je ploutine. Attention, hop là. Réflexe. Die Schmüde des Lea. Und ich war der Unterschlag auf die Erde und für den Tag. Die Schmüde des Lea. Die Schmüde. Les poils de panda de PPDA, c'est ses implants? Bon, écoutez, je vous aime beaucoup. Voilà. Là, j'ai du boulot en ce moment. Les poils de panda de PPDA. Non, mais. Oh, et puis tu peux y aller avec un petit coulis de lardon, c'est. Attention, c'est parti. Ben, bien sûr. Pardon. Ok. Action. Ah, puis tu peux y aller, un petit coulis de l'art. Action. Attends. Ça va? Hein? Je sais pas, quoi? Ça va? Ouais. Tu fais quoi, toi, lumière? Bien, tu le fais bien. Et j'ai un café. Gradu. C'est mon café, Jean-Claude. J'en ai parlé au DRH, ça lui pose pas de problème cette année. Cette année, je la fais pas. Tu fais pas la fête des nerfs? Je fais pas la fête des nerfs. Tu fais pas la fête des nerfs? Non, je... Un enfant, ça rigole pas, ça te hurle dans les oreilles, Jean-Claude. Et pourquoi tu ris, crétin? Parce que c'est drôle, mais ouais, c'est vrai. Attends, ça sent la vieille soupe, je te jure.
Jean-Claude. Quoi? Je rime pas. Ça sent le pot. C'est clair que... Attends deux secondes. Approchez-vous. Oh, Jean-Claude. Quoi? Bon, attends, il y a ton déo qui t'a lâché il y a 5 minutes, là. Hein. Je suis ravi que ça te fasse rire, hein. C'est une infection. Hein. Merci Fred. J'ai pas besoin de ça, moi. Mais t'es mal. Bruno. Oh, Hervé. Oh, oulala. Oh, c'était bien le Bruno, là. Oh, oui. Tu vas me la copier, celle-là, enculé. Le Bruno en direct, quand je fais ma chute sur le dos. Toutes les petites boules, là, ça te régule l'énergie du corps. Et je me suis dit, tiens, bah ça va faire pour. Dehors. Désolé. Alors, il est où cet enculé de Francis Nival? Alors, il est où, ton putain de RH? Visiblement, vous auriez sacrément besoin d'un vigile à l'étage. Mais il rit, D-R-A. Tu bandes? Non, si, tu bandes. Je suis sans quéquette. Ah, ça, pour péter, il est très très fort. À la commande, hein, Yvan. Yvan, mais putain, t'as mangé un mort ou quoi? Rien, moi. T'as pété là, non? Bonjour. Ça va, Hervé? Ça sera toujours pour jeudi? Ah oui, bien sûr, oui, oui. Attention, c'est important, hein? Oui. Ah non, c'est pas possible, jeudi. Et pourquoi c'est pas possible? Il est con. Il nous gâche le sketch. Il est pas fini, ce sketch. Il est pas fini. Il va nous emmener jusqu'au bout de la vidéo. C'est là jusqu'au bout de la night. Dis-moi, ce soir, demain, en fait, demain, écoute bien ce que je vais te dire, demain. Il est pas fini, ce sketch. Je suis dedans, moi, Allez, pourquoi tu joues pas gardien? Quoi, tu veux me prendre la place de... Hein? Mais pourquoi tu t'arrêtes? C'est dommage, on l'avait. Jamais. Et dis-moi, demain, pour le sexe, bah écoute, t'as qu'à tirer ma sœur, elle est sur place et tout, elle est cool, elle est en régie, là. Allez, vas-y, allez. Parce que, bah, on déconne. Comment il va notre petit gardien, hein? Je le chouchoute, ouais. Je m'occupe bien de lui, tu parles une parle pareille. Me fais plus jamais, hein. Ouais. Parce que tu vas faire, ouais. On aurait dit un film de cul, je te jure. Et allez, on refait. Oh, ouais. Toutes les excuses. Non, je te jure, t'étais magnifique, là. Ouais. On va le dire. Allez, j'irai. Allez, on refait. On n'est pas parti. Un cours secret? Ok, on fait break. Ah, j'y sais, je crois que t'as marché dedans. Oh, dis donc, oui. Eh ben, tu vois, ça me fait plaisir qu'on se reparle. On est amis, j'y sais. J'en mets partout avant de partir. Il y a une drôle d'odeur par ici, hein. Ouais, je crois que c'est JC qui a marché dedans. Ah bah oui, dis donc, j'ai marché dedans. Ouais. Oh là là. Oh, oh, c'est oh. Ah bah ça arrive, hein. Ça me fait plaisir qu'on se reparle. Hein? Non, restez tous sur place. Il invente des trucs. Eh, ça me fait plaisir qu'on se reparle. On a eu une petite dispute. C'est un café. Hein? Un café, vas-y. Ah bah, bien sûr. Allez, crétin. Mais donc, elle se démène drôlement pour le vieux Robert. Hein? Je crois qu'il lui manque. Franchement, il était. Hein? Parce que c'était une figure, mais il était pas baisant. Quand même. Tu veux dire qu'il faisait du zèle? Pendant 10 ans, il m'a demandé ma pièce d'identité, mon badge, il comparait. Ah, mais on n'a jamais été trop prudent qu'il me disait, putain. C'est Pitbull. Moi, j'ai connu le dernier, surtout, tu sais? Il y a Ryder. Ah, ouais. Ah, le Pitbull de contrebande. Ah, c'est bien, ça vient bien, ça, en prairie. Ouais. Hein. Ouais. Et sa chèvre.
Ta chèvre ? J'ai eu une aventure avec elle. Ah, tu l'as reculé, sa chèvre ? Ah ouais. Dans la guérite, avec amour. Ah là là. Non, mais attends, tu vois pas ce qu'elle nous fait, l'autre qui... Jeanne, arrête. Tu vas pas me dire que tu connais pas YouTube. YouTube. Ah oui, le groupe, là, qu'ils avaient fait un truc, YouTube, tout, YouTube, tout, 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 tout. Excusez-moi, je me suis emballée. Carole, avant que je parte en Pologne, merde, je la refais. Carole, je vous cherchais. Je vais partir en Pologne. Je reviens dans un mois. Je te cherchais. Oui, bien sûr. Plus fort là-bas. Mon amour, Carole, tu sais quoi? Il m'envoie en Pologne. Il essaie de nous éloigner l'un de l'autre. Je suis ravi que ça te fasse rigoler parce que moi j'ai les boules, mais j'ai trouvé des places pour Herbert Renard. Tu vas jamais y arriver. Vas-y. Ah non. Elle-même. Il m'envoie en Pologne, j'y vais, j'y retourne. C'est ce que j'ai. T'es malade ou quoi? On fait pas ça, hein? Quoi? Bah on fait pas ça, Jean-Claude! Quoi? C'est un problème? Vas-y, quand tu veux! Vas-y, je te le fous dans la gueule, moi! J'en ai rien à voir! Je te le fous! Mais t'es un malade, tu la mérites, tu le sais! Me touche pas, Jean-Claude! Me touche pas, tu la mérites, tu le sais très bien! Jamais de la vie! Jean-Claude, les clés de chez mes parents! Les clés de chez mes parents! Jean-Claude, sans déconner, tu la mérites celle-là. Ne réplique pas, Jean-Claude. Ne réplique pas, Jean-Claude. Ne me refais jamais. Quoi, Jean-Claude? C'est de ta... Attention, Jean-Claude. Jamais. Attention, je suis délégué du personnel. Ouais. J'en ai rien à foutre. J'ai pas de dragon de toi, Jean-Claude. Moi, tu comprends? Voilà, tiens, tu m'as fait affreusement mal. C'est ça que tu me dis, Jean-Claude? Ne refais jamais ça. Je vais te le refaire, Jean-Claude. Me fais pas ça. Je t'ai prêté. Mais attends, je vais te le refaire. C'est comment j'ai atterri. Alors, tiens, regarde les putes là qui s'engueulent. Vas-y. Bah attends, mais oh. Oh là là, t'as vu ce que j'ai fait? J'ai jeté ma pièce, elle est retombée. Ça a été filmé, ça? C'est filmé, ça? Attends, stade 2, samedi, hein. Je le crois pas. Oh putain, deux fois! Oh, et attends, je rentre dans le Guinness, record du monde. J'attends encore. N'oublie pas, donne-moi mes baskets. C'est pas quoi? Connasse. Regarde. C'est qui l'accessoiriste? Ça doit descendre, putain. Et des gosses, j'ai une vie hyper rangée, un petit pavillon, regarde, voilà les photos. Ah oui, d'accord. Voilà les photos, putain. Je ne suis plus un homme libre, c'est pas possible, regarde. Aïe, 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 oui, d'accord. Attends. Trop payé. Attends. Pourquoi j'attends maintenant? Il est revenu? Je l'ai revu en bas de chez moi dans le bistrot. Non, tu rigoles. Ce gerbois, comment ça? Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Je sais pas. Quoi? Attends, j'ai bossé avec les plus grands, tu viens m'interrompre pendant que je joue? Non, mais t'es fou ou quoi? Attends, je te rappelle mon nom. C'est comment mon nom déjà? Attends. C'est comment? Tocard. Tout passe, tout lasse, sauf la classe. C'est mon prof de théâtre qui me disait ça. J'ai retenu, hein. Tout passe, tout lasse, sauf la classe. Coupé. Ça, c'est sûr que tu vas pas avoir ce problème, toi, avec ta femme se barre, hein? Bon, ouais. Hein? Ah oui, merde, putain, c'est moi qui l'enchaîne. Eh ben, il boite encore, il pourra plus jamais jouer au tennis, hein. Au tennis. C'est un nouveau sport, le re-tennis. Eh ben, les docteurs, ils ont dit que plus jamais il pourra jouer au tennis. Au tennis. Et les touibs, ils ont dit que plus jamais il pourra jouer au tennis. Merde. Hey, arrêtez, Carole, calmez-vous. Certes, nous avons... Quoi, t'aimes pas Loana? Attends, attends, Loana, merde, oh. Quoi, t'aimes pas Loana? Quoi, t'aimes pas Loana? T'aimes pas Loana? Quoi? Quoi, t'aimes pas Loana? Tu sais ce que je vais faire? Non. Ben, je vais sauter la case, la pensionnat, je vais le mettre directement en maison de progression. Allez. Oh
sens qu'il a progressé. Je vais sauter l'étape, hein, maison de correction. Il va aller directement en prison. Jean-Claude, téléphone. T'imagines, là, quand il se fait engueuler en allemand par sa prof? Kaisenhaus, t'es chelou. Il faut que j'aille pisser, j'en peux plus, moi. Mais c'est quand elle l'engueule en allemand, Raus, Jason, Schlickenmele. Mais moi, c'est 12. Non, il filme sa prof d'allemand, l'autre idée, là, madame Krustofen, là. Pourquoi tu ris? Parce qu'il fallait le prévoir avant, non? Madame Krustofen, moi, j'avais pas, moi. Écoute, tu me dis Krustofen, moi, j'ai ri, moi. Krustofen. Ouais, je vais te dire camion, tu vas rire, alors. Oui, bien sûr. 65 ans, madame Frankfurten, vieille saucisse. Ouais, tu tombes sur Jason, blanc comme une mère de laitier, prostré sur sa chaise. Pas laissé dire collège. Mais c'est pas grave. Ah bah si, je suis dans le bureau du collège. Je me doute un peu que c'est pas le... Ouvre au moins. Open the door. Open the door, please. Il prend la caméra vidéo de son père et il va filmer les gonzesses, là, dans les toilettes. C'est son vrai père? Mais oui, moi. Qu'est-ce que tu fais? Ah oh, putain, c'est fatigant, je te jure, arrête. Ouais, tu retrouves Jason, blanc comme une mère de laitier, prostré sur sa chaise. Voilà, il s'est fait gauler dans les chiottes, t'as tout dit. Ouais. Non! Quoi? Je sais pas. Il va dans les chiottes des filles avec une caméra vidéo! Et alors? Mais alors? Oh non, Bruno, putain! Mais quoi? Mais attends, mais on l'avait pas, c'est toi qui dois me dire! Mais non, il va dans les chiottes des filles avec sa caméra vidéo. Et alors, il filme ses camarades, c'est toi qui dois me dire. Oh putain, oui, dis donc, merde, heureusement que t'es là, parce que je m'en souvenais plus que je devais dire ça. Allez, putain, on s'épuise là, Bruno. Bah ouais, ouais, je le sens bien, là, t'es de moins en moins bon. Et mais ravi de te voir, en tout cas. Qu'on conclue. Oh, dis donc. Oh, la lienne. Oh, il nous a sorti un truc de 8 mètres. Ah oui, avec un petit peu de chance, vous allez vous retrouver en cellule avec des mecs comme ça. Oh merde, des trésoriers. Merde. J'ai raté le spectacle de rattrapage de Maeva. J'ai joué un premier avec Alexandria. Ce qui m'importe, c'est que moi, j'ai passé pour un con auprès de Nancy. Faut que tu me racontes un petit bout. C'est pour voir un mec nager. Auprès de Danzig. Je suis passé pour un con auprès de Danzig. Alors raconte-moi, je te fracasse à coups de courroie. Espèce de petite merde. Mais dis donc, fais pas ton Sylvain ou je vais te taper. Si. Oh, dommage. T'as qu'à me raconter un bout et puis après je brode. De toute façon... De toute façon quoi? Bah attends, une seconde, je cherche ma réplique, tu vois bien, non? Dis donc, je te dis que j'ai l'air... T'as vu, j'ai failli m'étouffer. Oh, je suis désolé. Mais je suis quand même dans le... Allez, on y va. N'est pas couché. Tu me racontes un petit bout. Mais un bout de quoi? Il n'y a pas d'histoire, c'est de la poésie. Et puis surtout dans cette pièce-là. Hein. Après, moi... Il a entendu? T'as entendu? Ah oui. T'as entendu quand j'ai... Ah merde, j'ai failli l'avaler, dis donc. Oh, tu me fatigues. Hier, j'ai raté le spectacle de rattrapage de Maeva, je tombe en panne. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il est pas fini, ce sketch, il est pas fini. Ben, manquerait plus que ça. Dis donc, je t'ai déjà diverti. Attention, hein. Il a raison, alors. Ça va bien, maintenant. Dis-toi, voilà, tu nous fais... Non, mais tu... Arrête, ah non, hein. Tu sais très bien. Essaye d'être dedans, parce qu'on pourra jamais le faire, celui-ci. Oui. Hein. Emma, comment ça va? Ça boum la pêche. T'as pas une corner pour que je prenne un café? Oh, l'enculé. Une corner. Un café, là? Mais non, mais c'est moi qui dois demander la pièce. Oh, qu'il est là. Mais je t'emmerde, connasse. Alors, putain. Et allez. Tu vois pas ce qui te gêne? Oh, putain, mais c'est con, hein. Je ris avec ses P, mais tu te rends compte? Ça fait 12 ans qu'il me l'a fait. Je comprends pas, moi. Et 12 ans que je ris comme un crétin. Ça...
Mais de toute façon, on est tous des petits-fils d'immigrés, puis voilà. Mais voilà, avec tout. Alors. Oh oui. Oh là là, comment je rame, là. C'est. Moi, je vous préviens, hein, si cette pétition n'aboutit pas, je quitte la région. Parole de Polonais. Parole de. Ça tourne là, tu l'as fait tourner? D'accord. Non mais ça tourne. Non mais je veux dire ça tourne, ça filme. Non mais je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut l'enregistrer. Éventuellement, on pourrait la voir après si elle est bonne. Une sorte de prise quoi. Voilà, c'est une sorte de prise. Elle est filmée. Voilà, c'est là on est dans la configuration où on considère. L'esprit que... de la bande. Voilà. Ou si c'est bon, par contre, c'est bien. Ça fait couper, elle est bonne. Donc voilà, elle tourne. Voilà. Bon, ça... oui, voilà, bah, c'est ça. Le dise pas, ça. On est là comme des cons. Bah, attends. Ça rime à rien. Bon, ça tourne donc. Non mais attends, attends, c'est vrai que là ça renarde vilain là. Non, 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 non. Non, non, je pense pas. Non, je trouve pas. Attends, ou alors faut chercher. Non, je vois, c'est, la poubelle. Ah, c'est la poubelle, dis donc. Hein, surtout quand on travaille dans le même bureau, dans la même entreprise, ou dans le même immeuble. C'est. Ou... Hein, c'est l'hymen. Non, c'est l'hymen. Passe des nuits à s'embrasser. C'est l'hymen. Je fais pas le con, Jean, en vrai. Mais je fais pas le con. Ouais, bah attends, tu vois, tu vas bien que tu les fais rire. Allez, vas-y. Mais je fais rien du tout. Non, non, André, reste concentré. Action. Mais non, mais. Qu'est-ce qui. Bah, je sais pas, étant, c'est. Mais... Excusez-moi, alors on mais vous non, dit non, pas, non, là. Mais oui, mais c'est parce que tu le fais trop sérieux, alors les gens, ils se. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que mais tu fais? Je fais rien, putain. T'es chiant, non, attends, on a. Oh, dis donc. Attends. Alors. Allez, on y va. Il n'a pas pleuré après, hein. Ouais. Oh putain, espèce d'enfoiré, bah. Sans déconner. Ça pue, hein. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi. Allez. Je te lèche la chatte. Tiens, tu signes là. Et tu vas voir Carole, c'est pour le badge. Ah, ah merde, putain. Ah, dis donc, qu'est-ce que tu peux être gauche, mon pauvre garçon. Qu'est-ce que tu peux être gauche. Oh yes, j'ai peur. Ou merde. Tu peux pas. Ta femme. Je te rappelle qu'on a une réunion, c'est deux fois qu'on décale. Et tu peux me trouver une excuse. Merde. Café, café. Quel est ton petit café finalement à 95 balles. Ouais, 95 balles, ouais. Excuse-moi, vieux, excuse-moi, viens là. Viens, viens. Je suis désolé, je te pique ta réplique. C'est pas grave. Salope. Petite salope. Regarde le jus de pisse que je lui donne là, j'y attendais pas. Oh, Jean-Claude. J'arrive. Oh merde, c'est arrivé quand? C'est ton tour du. Ah, c'est mon coude. Ah bah ouais, j'ai deux bras, hein. Oh, Jean-Claude, t'as appris pour Robert Leparc? Oh merde. Oh putain. Bah écoute, mais t'es comme ça, bah je oui, te bah j'ai il y a deux pour toi, mon pote. J'ai deux coudes, deux jambes. Bah ouais, mais tiens-toi. Pardon, prévois que j'arrive. T'as qu'à bosser avec Mimimati, hein. Et comment le patron aurait passé l'éponge, allons. 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 Ah, c'est pas Jean-Claude, ça. Jamais il pourrait dire allons. Jamais. Enfin. Tiens, c'est pour toi. Ah oh, bah t'as le bras court. Allez, continue. Ah bah ouais, on a une super bibliothèque à la maison. Tiens, tu le maîtrises bien, tu m'avais dit, hein. Voilà, tu le connais par cœur. On a emmerdé avec ma femme, notre télé est en panne. Oh non, emmerdé avec ma femme, notre télé est en panne, ça fait un vide. T'es un fumier, toi, hein. T'es au fumier, hein. Fumier, hein. Fumier. Oh non, merde, avec ma femme, notre télé est en panne, ça fait un vide. C'est marrant, hein, un truc dans l'air, c'est la clim ou quoi, là? Hein, y a un truc, hein, c'est... Si jamais... t'es témoin, ça m'est jamais arrivé. Jamais. C'est marrant, ce truc, hein. C'est que notre télé est en panne, ça fait un vide. C'est pas le cas. Plonge-toi, Jean-Claude.
Plonge-toi. Non, je peux pas le croire, il m'a... Oui, si. Il m'a coupé. Bah, profitez-en pour vous reparler. Mais reparler de quoi? Qui est con. Pourquoi vous en profitez pas pour eux? Hein? Je sais pas. Pourquoi vous en profitez pas pour... Tu la reprends la pièce, tout là de suite. Tu la reprends tout de suite? Allez. Pourquoi vous en profitez pas pour... Je me demande si ça va faire... Je me demande. Ouais. À mon avis, ça va pas faire rigoler les gens qui étaient à l'heure ponctuelle. Oh putain. C'était bien parti. Ouais, mais enfin juste le premier mot. Hein. Bon, alors je passe pas derrière. Alors on le fait. D'accord. Bon, ben on le fait. C'est chacun pour sa gueule alors. C'est chacun pour soi. On... D'accord, ok. En tout cas, allez, juste un détail. Si jamais. Moi je viens. Je fais une station fixe. M'aider? Qu'est-ce que t'entends par m'aider? J'ai besoin d'être aidé? Ah, le petit. C'est ça que tu as dit. Attends, pousse-toi deux secondes. Pousse-toi deux secondes. J'ai besoin d'être aidé dans quel sens? Non, arrête, c'est arrête. Bordel, toi. Arrête. Hein, c'est... Attention. Bonjour, Carole. L'habitude. L'habitude. Et c'est quoi l'histoire qui se passe dedans? Ah mais c'est pas une histoire, c'est un essai philosophique. Togger parle directement au lecteur, à moi, à toi, ouais, à nous. Et qu'est-ce qu'il dit au lecteur? Mais c'est pas un essai, c'est un essai philosophique. Il parle directement à toi, à moi. Oui. Je suis Adli, moi. Bah non. Si, c'est Togger qui parle au lecteur. Ah oui, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te préviens, ça va te faire chier. Ah, t'avais raison, dis donc. Allez, file. Allez, file dans ta chambre. Je ploutine. Attention. Hop là. Réflexe. Die schmüde Nesslea. Und ich war der Unterschlag, der Fisseur und Frieden. Die schmüde Flea. Die schmüde. Les poils de panda de PPDA, c'est ses implants? Bon, écoutez, je vous aime beaucoup. Ouais, là, j'ai du boulot en ce moment. Les poils de panda de PPDA. Non, mais. Tu peux y aller avec un petit coulis de lardon, c'est. Attention, c'est parti. Ah, ben, bien sûr. Pardon. Ok. Action. Ah, puis tu peux y aller, un petit colis de l'art. Action. Attends. Ça va? Hein? Quoi? Ça va? Ouais. Tu fais quoi, toi, lumière? Bien, tu le fais bien. Et j'ai un café. Gratuit. Soit dans un platane, soit dans un talus. Attends, quand tu es fan de Jean-Guy. Tu n'es fait 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Nous, la Tiffany. Non, non, Jean-Guy. Parce qu'on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus les trottoirs. Mais non, parce qu'on ne choisit pas ses parents. C'est qui ça? Mais sa grand-mère. Non, on y va pas. Oh, oh non, mais c'est pas humain, ça. C'est toi? Non. Oh, non. Putain, mais c'est pas humain, c'est toi, ça. Oh, pas si fort. Non. Oh, non. Attends, parce que... Oh, non. Oui, je suis dans la merde, il faut que tu m'aides. Ouais, ben moi aussi. Il vient d'appeler, là. Ah non. Vous rêvez, Hervé. Non, non, il est absent. Ah oui, oui, Jean-Guy, j'arrive. Mais attends, mais je connais ce truc, fais voir. Attends, ça m'a coûté assez cher, hein. Ah, tes conneries. Exagère. Dis donc, Bibi, je suis désolé de te le dire, mais c'était pas terrible, hein, midi. Il y a des bruits de suisse sur le bouche, la GameCube. Mais c'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est aussi. Ah oui, c'est vrai, moi, un peu aussi, j'en ai fait. Genre à l'aise, tu sais, comme à la maison. Ah bah ouais, chez moi, ici. Dis donc, Bibi, je suis désolé de te le dire, mais tu baisses, hein. Ce midi, c'était pas terrible. Moi, je vais pas faire le trop début. Si, non, si, je fais pas. Si, c'est vachement bien. Bon, d'accord.
Allez. On ferme les yeux, on se rencontre. Deux secondes. Allez. On se met dans la situation. Toi, t'es saoulé, hein, quand même. La super concentration. Ah, putain, j'arrive pas. Allez, on y va. On y retourne. Attends, j'avais prévenu, hein, les rognons sous ce grébiche réchauffés trop vite, c'est jamais très, très... Ouais, mais enfin, le jour où j'amène des potes, ça tombe mal, quoi. Ouais. Je suis ravi que ça te fasse rire. Je vais me refaire, là, je vais me refaire. Ah, mais j'ai pas fini de payer le billet. Oh, putain. Bon, ben, Riton, grouille-toi, on commence, là. Je peux jouer, moi, alors? Mais Doudou, c'est le même plaque à moi, ça. Bah, t'as qu'à les acheter à la table, à Hervé. A-R-V. Oh, merde. Il y a un truc qui arrive. Attends, ça m'a démarré. Déjà, j'avais envie de me marrer. T'as oublié 23 lettres, mais c'est impeccable. C'est une très jolie leçon d'alphabet. A-R-V. Ah ben, Riton, grouille-toi, on va commencer, là. Je peux jouer, moi, alors? Mais non. Non, mais dis donc, ça va bien, maintenant, hein. Attends. Oh non. Oh non, c'est pas humain, c'est tout. Ah, laisse tomber, là. Oh putain. Oh, dès qu'il y a du caca, on rit comme des... Ah oui. Non. Deux secondes. Je t'entends, putain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh là 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 là. Ouais, je suis pas aidé, hein. Oh putain. Allez. Salut. Ouais. Oh non. Oh non, c'est pas humain, c'est toi, ça. Oh bah quoi, je suis un peu nerveux en ce moment. Attends, ça fait une semaine que ça dure. Je suis un peu nerveux en ce moment, pas si fort. Je chie en spray, j'y peux rien, moi. Quoi? Et... Oh là 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 là. Mais qu'est-ce... J'ai pas vu, mais il veut... Mais j'ai voulu te mettre un pain. Tu l'as la bêtise, elle est partie là-dessous. Hervé, tu connais la grande différence qu'il y a entre les States et ici? Non. Excuse-moi, putain. C'est que là-bas, aux States, les gens ne toussent pas. Oui, je délire. Je sais pas ce qui se passe dans mon slip, c'est pas ma quéquette, hein. C'est celle du... Tu te branles, là? Oui. Tu peux prendre ta bite, s'il te plaît? Comme si elle était dans le coma. Je te dis que c'est une sorcière, cette fille. Elle m'a niqué ma libido. Ça te fait rire? Enfoiré, là. Comme si elle était dans le coma. Elle dort, là, sur le côté. Sur ses deux coussinets. Hervé! Petit pot est gonflé, à la compta, il croyait carrément qu'on avait engagé 4 nouveaux commerciaux. Bah vas-y, fais-moi la leçon. T'es un grand malade. Hey, il est pas si salaud que ça, Jean-Guy, parce que... Non mais attends, moi j'ai... T'es gonflé, à la compta. Je le regarde et il veut... Dis donc, ça va les cheveux, hein. Et doucement quand même, hein, parce que moi si je suis là, c'est à cause de vous. J'ai même hein. Pas haussé le ton, alors pourquoi tu me dis doucement? Bah parce que c'est marqué dans le texte et que je suis un mauvais comédien. Et quand t'es un mauvais comédien, tu te dois de faire des pains. Tu sais pas t'adapter. Blablabla. Je suis mou là. Oh Jean-Claude. Quoi? Mais rien. Dis donc là. Ça, c'est une gifle, tu vois. T'es une petite putasse, toi. T'es concentré, là. Tu sais que je vais te la décoller, ta gueule. Ouais. Oh, moi, t'es motivé, maintenant. Vraiment pas. Il est où, mon poisson? Oh, bah tiens, il a disparu. Il est où, mon croissant? Je sais pas. C'est pas vrai. Mais pourquoi ça. Tu vas là-bas? Tu sais pas, j'aime bien. N'importe quoi. Ouais.
Vous êtes un grand malade. Mais ça va, oui. Je fais la claque avant de dire quoi que ce soit. Vous tous. Eh, ça va pas, non? Eh, elle est partie, Jeanne. Tiens, prends ta gueule. Eh, oh, ça va pas, non? Elle est repartie, Jeanne. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Eh, dis-moi. Attends, attends, hop. Oh, salaud. Oh, oui, tous ces hommes gredouilles en combi... Gredouille? Gredouille, oui, oui, c'est bien, gredouille. Oui, enfin, moi, je serais plutôt... Ouais. Tu sais que ça a un nom, ce suis pratique. C'est ce fapé? Oui. La veste masnast. Pour J'ai dit espion, mais j'aurais très bien pu dire. Ouais. Je sais que t'aurais pu le dire, mais tu l'as pas dit. Qu'est-ce que je te fasse, mec? Tu veux pas m'attendre ce soir? Hein? Fumier. J'essaie de le jouer comme ça. Hein. Okay. Quelle mauvaise foi, c'est fou. Allez. Mais ris pas, hein. Hein? Garde tes nerfs, hein. Allez. Action. Tu vas pas m'attendre ce soir? C'est mieux, là. Ouais. C'est pour toi, ça, hein? Allez, pour moi, celle-là, c'est pour moi. Toutes les autres sont pour toi. Ouais. T'en fais 10 de suite, là. Ouais, regarde. Je te mets la pression avant que t'aies mis la pièce. Regarde comment j'ai ton fumé. Regarde la pression, regarde la pression. Regarde la pression. Vas-y. Action. Allez, allez, allez. Ah, en plus, j'ai le Muller avec ça. Allez, allez. Action. Tu m'attends, soir. T'as commencé, hein? Non. Si, si, t'as commencé, t'as commencé. Tu l'as amorcé. Action. Non, je te dis, il va en faire 10, là. Vous voulez compter? On est à 4, là. Là, j'ai rien fait, hein. Vraiment, j'étais de marbre. Action. Tu m'attends ce soir? Je t'invite à la patate qui fume. Encore? C'est moi, c'est moi, c'est moi. 10-2, 10-2, 10-2. Tu reviens, tu reviens. Hein. Ouais, je reviens. Tu reviens au score. Hein. Jean-Claude. Rien, j'ai eu un truc de fou. Hervé, c'est vrai que André il vient te chercher tous les matins avec la voiture du président pour t'amener au boulot et qui en plus te ramène à 6h30. Alors c'est ça les syndicalistes? Oh, pardon. Café? T'as un café? Oh là 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 là. Le virtuose de la bande Fortnite. Oui. Et c'est où dans les dom-toms? Parce que c'est à grand, hein. Il y a Martinique, ça Guadeloupe. Grand. Ça au grand. Mais puisque je te dis que pour 244 euros par mois. Prends-moi un café, on va finir par se faire choper. Moi, j'ai un chocolat dans la bouche. Oh. Qu'est-ce que tu fous? Non, on donne du bouillon. Colle-le vers l'eau. Voilà. Allez! Ouais, on est à 3 sketchs là. Action! Jean-Claude, prends au moins un café, on va finir par se faire choper. T'as vu, il y a Danny Briand qui est dans les chiottes. Je te jure, il y a. Oh, c'est lui! Ah, c'est Danny!
bras tordu. Viens, on regarde. Arrête, c'est moi qui lui rends. Attends, j'ai ri, j'ai ri. Ils discutent, je comprends rien. Ils font des bruits de bouche. Ils font des bruits de bouche. Des soucis? Non, le poil pêchant, le manque de sommeil sûrement, je crois. Ah bah c'est ton orioge, qui devrait à mon avis avoir un engelure. Tu sais? Ah, c'est ton orioge. C'est ton orioge. C'est mon orioge? Ben oui. Ah bon, ouais. C'est peut-être ton orioge biologique. Ah bah je t'endors 3 minutes en sommeil paradoxal non profond. Hmm? Ça fait comme si t'étais tour du cargan. Tu me promets un robot de cuisine multifonction et tu me refourgues un vulgaire bateau de cuisine? Attends, tu me promets un superbe robot de cuisine multifonction et je me retrouve avec un vulgaire batteur de cuisine? Non mais... Batteur électrique. Attends, tu me promets un superbe robot de cuisine multifonction et je me retrouve avec un vulgaire batteur électrique? Non mais oh... Électrique. Électrique. Avec un cric en plus. Enfin... Tu vas voir, affaire mes avocats, et elle va te coûter très 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 cher. Tout à fait, c'est immo... Hein, tu me promets un superbe robot multifonction et tu me refiles un vulgaire batteur de cuisine électrique et t'as pas fait une erreur. Putain, mais ça fait chier ce truc. Faut toujours se méfier des syndicalistes. Enfin, on a quand même tous une deuxième chance. Ah ouais? Tu vois, c'est... C'est... Alors, cassoulet, vélo, table, galerie, oh, putain, c'est un mot cravate, tout simple en plus. Longue... jumelle. Voilà. Putain, trop con. Jean-Claude, mais t'es infâme, je viens de voir par... C'est un enculé, là. Quoi? C'est infâme ce que tu fais. Tu fais faire du striptease à ce jeune travailleur immigré. Et alors? Quoi? Mais oui, j'allais partir. Non, mais c'est parce que je dois dire, ne mens pas. Et alors? C'est pas avec ce skigan qui va... J'allais partir. Mais tu sais, c'est un nom, ça. C'est ni plus ni moins que du proxénétisme. Hein? Allez. J'ai chier, monsieur. Ni plus ni moins. Tu crois que c'est... Hein? Tu crois, toi? Mais t'es absolument infâme. Tu fais faire du striptease... Il lui donne une porte à ouvrir, elle la casse. Oh, la petite gaule de cravate. À tout de suite, terminé. À tout de suite. Boubacar, ouais, on va faire une pause, là. Tu prends le temps de bouffer ta gamelle, on reprend dans un quart d'heure. Ok, terminé. C'est immonde. Oh putain, on n'a pas le temps. Allez, à tout à l'heure. Jean-Claude, mais c'est absolument immonde. Et ma femme a froid, alors essaye d'en faire autant. Dis donc, hein? Que tu veux que je te gagne, dis donc. Et ma femme a froid, alors essaye d'en faire mais autant. Mais Jean-Claude, comment tu me parles? Tu veux que je te pète? Bah bien sûr que je suis en forme, j'ai pas l'air en forme peut-être. T'as vu ce qui est tombé là? Oh là 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 là. Oh c'est monstre, bois un coup Yvan. Je te jure, ta salive elle pèse 30 kilos là. Faut que je la vois, celle-là, quand même. Ça va être impressionnant, ça va être vraiment effrayant, non? Ah oui, en fait, c'est des surdoués, mais que dans un domaine. Exactement. Partagne. Ouais, attention, si c'est touillette. Il faut... C'est très dommage, c'est brillant. Je te l'ai remise. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merde, putain, Bruno. Non, mais ça va mettre un peu d'animation dans la boîte, hein? Voilà, voilà, voilà. Allez. Chut, calme. Oh, putain. Bonjour. Oh merde, excusez-moi. Yvan. Quoi? Non, en fait, c'est pas Yvan, moi. Il est con. Ah ouais, mais il devrait savoir aussi, Sylvain, qu'il faut pas... Voilà.
Tout passe, tout lasse, sauf la classe. Lions Club. Oula, t'as pas l'air fier, toi. Hein? T'as forcé sur le piment, ça te picote un peu. Oula, t'as vu, là? Waouh, c'est maintenant qu'il se déclenche. Waouh! Oh, la bombe à retardement, ça, c'est dégueulasse. Oh, vache! Oh. Oh, ça pique les yeux, dis donc. Je pense, Annie, franchement, que tu exagères un geste bourru. Tout l'amour a tellement de visages. Est-ce que c'est Sylvain Muller? Est-ce que c'est ta mère? Toutes les femmes de ta vie. Eh non, pia dans ton corps. Mais non, mais il est pas venu pour les enfants. En fait, ils espèrent trouver un village fortifié sous la glace. J'en ris pas, hein, mais... Laisse-moi, je le fais maintenant. Voilà. Ah, bon. C'est surtout qu'ils espèrent trouver un village fortifié sous la glaise. Tu sais que le sol est très très mou. C'est quasiment de la merde. Il faut que j'y aille, il faut que j'évacue. C'est quasiment de la merde. Évacue la merde. Allez, parce que le sol est très très mou. Je suis désolé, c'est comme du cul, quoi. Allez, on y retourne. Ça va nous saouler un moment et... Ça y est. En fait, ils ont découvert un village fortifié sous la glaise. Mais tu sais que le sol... Allez, on y retourne. Non, mais nous, on est venu pour tout tenir, après on va se sentir coupable. Bah alors, vous me faites d'ailleurs, là. Une grève sans préavis, il faut frapper... Ah. Oh, dis donc. Ah. Et tac, tiens dans ta gueule. C'est bête, on l'avait bien. Là. C'est vraiment bête, on l'avait vraiment bien. Oh, vas-y. C'est qui? Il voudrait s'arranger avec toi, comme ça, vous en merci, pas. Radar, anti-radar. L'air. Allez, reprends tes nerfs. Allez, on se regarde. On se regarde. Ouais. C'est marre, moi je voudrais souper les légumes. Comment? Attends, il se rire, Simone. Il s'est fait les. Oui, je suis sûr de me concentrer. Allez. Okay, on y va. Oh, ça fonctionne. Je veux du café. Jean-Louis pour la première. Oh non. Attends, j'ai essayé. Travaillé par son propre camp. Il lui apprend rien, ce mec, c'est un nuisible, il en ferait que du nocif, c'est dans ses gènes. Putain. Oh, il s'est ouvert. Ça, c'est un accident de travail, c'est 3000 balles. Ouais, bon, ça va, on te la paye tout de suite alors. Attends, je suis un peu nerveux en ce moment, je chie en spray, j'y peux rien moi. Moi, ça fait une semaine que je vais chez Digix, là, ils vont finir par... Ah oui, c'est clair. Oh putain, tu fais chier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse que j'aille chez Digix? Ils vont... Attends, je suis nerveux, j'y peux rien. Attends, qu'est-ce que je fais? Bah, va chier, putain. J'ai passé une annonce en province Boum, j'ai trouvé un pigeon pour 14h, là je dois aller le voir. Bien. Viens avec moi, mon truc c'est pas la vente. Ah, mais moi je peux pas, mon truc c'est pas la vente. Non, j'ai pas d'argent. Ah, Jean-Claude. Quoi? Jean-Claude. Ouais. J'ai passé une annonce, une... Oh là 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 là. J'ai passé une annonce, une annonce. Viens avec moi, c'est pas la vente mon truc. Oui, mais je c'est peux pas. C'est pas mon truc la vente. Oui. La vente, c'est pas mon truc. Hein? Eh ben, j'ai trouvé un... Un client. Oui, un pigeon, un fils de pute. Bah oui, mais il faut que tu viennes avec moi parce que... Mais je peux pas, Hervé, moi je suis bloqué toute la journée avec Jean-Guy. Mais non, mais comment je fais, les déposettes est en bas. Les déposites, les tombas. Mohamed Solo, Farouk Le Bouloc. Ah, Jean-Claude. Ah. De plus en plus court. Ah, Jean-Claude, je tombe sur toi. Et comment
comment je fais? J'ai la camionnette qui est en bas, là. J'ai tout déposé dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas dit... J'ai dit une connerie? Non. Pourquoi? Non, mais j'ai regardé là et j'ai ri. Je peux pas, Hervé, je suis bloqué toute l'après-midi avec Jean-Guy. J'ai loué la camionnette, tout est en bas, là, j'ai tout chargé dedans. Bah, fallait prévenir avant. Prévenir. Tu crois? Ah oui. Ah, je sais pas, il y a le ralenti. Il a dit pré... Non, non, j'ai pas dit. Il a dit prévenir. Non, non. Il a dit prévenir. Il a dit prévenir. Paf! T'as dit prévenir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était Pauline? Quand il est dans mon dos et que je le vois pas, tu me fais ça. Ok. Oui, mais juste quand le gros con arrive, sinon ça sert à rien avant. Putain! Hervé. Je me suis mouché. C'est pas grave, Hervé, tu sais, chaque poisson son couvercle, mon petit gars. Tu vends encore. Ça, je vais avoir du mal, mais bon, on va y arriver. Tu vas trouver ton petit pot, toi aussi. Hein? C'est pas grave, mon petit gars. Allez, chaque poisson son couvercle, bah, tu verras. Tu trouveras. Tu es... J'ai du mal. Allez, c'est pas grave, Vévert. Tu vas le trouver, ton petit pot. T'inquiète pas. Hein? T'inquiète pas, là. Attends, quoi? Tu trouveras ton petit pot, toi aussi. Ah, oh, putain. Ton petit pot, trouve autre chose. Ouais. Tu vas la trouver, l'âme sœur. Ouais. Hein? C'est pas grave, mon petit Vévert. Tu trouveras bien un petit bout de... Enfin, tu trouveras... Un petit bout de viande. Ça va s'arranger, ça. Tu m'as ordure, tu demandes encore, là. Ah bah, j'ai mangé tous mes bonbons, moi. Merde. Non, tu bandes encore, ma ordure. Ah bah, j'ai mangé tous mes bonbons, hein. Oh, merde. Bah attends, c'est carrément plus du double que tu m'avais annoncé il y a 8 jours, là, Hervé. Plus que du double, plus que du double. C'est plus que du double que ce que tu m'avais annoncé la dernière fois. C'est plus que du double que ce que tu m'avais annoncé. Ah non, tu peux pas faire ça, Charles. Ah bon? Et pourquoi? Vas-y, donne-moi une seule bonne raison. Voilà. Dans cette petite douette. Cette petite douette. Dans cette mallette, Hervé. Dans cette mallette. Dans cette méthode. Avec ce qu'il y a là-dedans, je peux aller en tôle, moi. Là-dedans, il y a la liste de tous les blaireaux et tous les potentiels... Tous les potences, tous les blaireaux, putain, merde! Pourquoi t'as été prendre un chauffeur livreur, toi? Non, je l'ai pas fait? Et pourquoi t'as été prendre un chauffeur livreur, toi? Non, tu vas pas m'emmerder, hein! Tu vas pas m'emmerder, hein! Enfin, tu pouvais pas préciser que tu voulais pas un chiffreur livreur, enfin, c'est un chiffreur, un chiffreur. Un chiffreur, un chiffreur. Pourquoi t'as été prendre un chauffeur livreur, toi? Non, mais putain! Calme-toi, André! Pense pas! Aïe, 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 aïe! Tu m'as pété le doigt! Ça y est. Tu m'as pété le doigt! Ah, bah oui, tu me l'as pété en faisant ça comme ça là. Ah, tu m'as fait mal! Non, 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 le jeu! Ah, André! Aïe, 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 pour conduire le patron, non, bah, c'est vrai, ça. Je t'en tue, non, t'es parti trop tôt. Et t'as vu comment je t'ai niqué 3 fois, j'ai dit chauffeur-livreur. Qui n'insulte pas le patron, qui ne traite pas de connard, j'ai oublié. Ah, mais je suis désolé, Vévert, mais moi, Sylvain m'a déjà parlé de sa cuisine, ça fait au moins 5 cuisine. Ans. Cuisine. La cuisine. Tout équipé, là. La mandale pas. Elle est bien. Hein. La Kit Carson. La Kit Carson, avec les portes en saloon. Allez, on y va. Mais il s'écrasait 20 mètres plus bas, le malheureux. Il s'écrasait. Oh non. Avec les liaisons douteuses. Mais il s'écrasait 20 mètres plus bas, le pauvre. Mais ça... Et ça n'a rien à voir avec le jour où je l'ai sorti de sa voiture en... Oh merde, ça y est. Putain, Bruno, t'énerve, nom de Dieu. Qui va me mettre un coup de batte? Allez!
l'aide, il criait à l'aide. Mais il est inspiré aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais le problème de Jean-Claude Vivant, c'est qu'il change de texte à chaque fois. Donc, à chaque fois, au moment où tu prends le sérieux, eh ben, tu vas. Allez, mais moi, j'y suis, moi. Mais oui, tu y es. Ouais. Je t'enferme tout à l'heure, tu vois si j'y suis aussi. Combien de fois tu vas faire des entrées, des sorties pourries, va. Mais tu y es, c'est vrai, mon. À l'aide, hurlait-il, à l'aide. Ça tourne, silence. Ah. Offert par des travailleurs polonais, tout en acier polonais, avec écrit en ponelé, mon ponelé. Mais t'es victime du grand banditisme, toi. On a un beau stylo tout en acier polonais, avec... Un beau stylo. Alors. Le petit bonhomme en mousse. La 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 la. J'ai perdu mon jeu de baguette. J'ai... Jean-Claude, il est bien tombé là. C'était bidon, hein. C'était bidon, hein. Vous avez vu partir, je me suis dit non, tombe pas, ça vaut pas la peine. Combien de fois t'as menacé d'en faire un petit gris-gris? Bon, combien de fois tu l'as menacé d'en faire un petit Grégory? Grégory, je l'ai pas. Hein, combien de fois t'as menacé d'en faire un petit Grégory? Ça va aller. Ça tourne, silence. Tiens, je vais chercher Bruno. Bruno, tu veux le faire à ma place? Bonjour. Salut, c'est Bruno. Bruno Solo, vous allez voir, ça va filer autrement. Pardon. Combien de fois t'as menacé d'en faire un petit Grégory? Hein? Il s'est... T'es enculé, espèce de pourri, va. Quand je l'ai, tu vas te marrer. Putain, je l'ai dit, là. Oui. Combien de fois t'as menacé d'en faire un petit Grégory? Ça restera entre nous, hein. Oui. T'en parles pas, hein. On dira rien à personne. On parlera pas de ce Grégoire. Oui, mais enfin, vous savez, c'est... Bah, retrouvez-le. Embusquez les terres s'il le faut, mais retrouvez-le. D'accord. Je suis de lapin. Oui, je vais faire mon possible. Il m'a fait peur. Oui. Oui, dis donc, hey, on s'entendait. Chacun son tour. Enculé, putain. Jamais ça m'arrive, jamais. C'est un spécialiste, il s'est tiré en Argentine après avoir fait son coup. Jean-Claude, c'est quoi ça? Mais je fais vivre l'entreprise. Mais tu fais vivre mes couilles. Je fais vivre l'entreprise, allez, ta gueule. Allez. Faut très bien croiser quelqu'un qui est là-bas. Mais oui, bon, enfin bon, si on le voit pas, quel intérêt? C'est pourri. Pauvre garçon. Bon, moi, de mon côté, c'est vrai que j'avais promis une cuisine équipée à Véro. La série Rio Péro. Oh non. Je le sentais dire, il est venu, il était là déjà. Et au fur et à mesure, c'est pour eux qu'on termine à temps. Et à Rio Péro, s'il était là, c'était trop tard. Salut Sylvain. C'est bon les filles. Et tout nu, ça t'aimerait grave, non? T'as vraiment eu un coup? Ouais, tu m'as mis un coup. Mais c'est pas grave, fallait le jouer. Ah non, répète ici. Marc, c'est pas mal. Mais c'est vachement bien. Bah, on pouvait pas faire moins, hein, quand même, que de le faire. Hein. Alors, on nous a permis de répéter ici, ce soir. Et là, ça va partir en sucette, mon pote. T'as impressionné, la petite, t'as vu? Ouais. Je l'ai senti. Elle a jamais vu d'instrument? Merde hein, pour ce soir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Salut les artistes. Quoi? Non, Jean-Claude, c'est un truc qu'on dit. J'en ai fait pas mal dans ma jeunesse. J'ai joué dans ma jeunesse. Ma jeunesse, dis. Oh, dis donc, t'es pas bien là. Mais ça même pas se brancher. Oh les tacards, putain. Allez. Bon allez, merde pour ce soir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est un truc qu'on dit aux musiciens. Bon, enfin là, c'est pour fêter la fin dans le monde alors. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Non, elle a dit merde, c'est un truc qu'on dit aux musiciens. Bon merde, putain. Je crois qu'on va prendre la précédente. Ouais, allez. On va jamais y arriver. One Man Show. Oui, bah c'est, voilà, c'est... j'ai repris ma liberté, hein. J'ai vendu quoi? On l'a vendu que 8000. Mais c'est ton enfoiré, dis donc. On le fait bien, tu mets prêt, t'as enculé.
Oh, le taquin qu'il lui met. Oui, parce que vu notre dernier... Ouais, qu'est-ce qu'on vient? Vas-y, dis-moi. On ne le fait pas tout de suite. 2 mois ferme pour attentat à la pudeur. Eh ouais. 2 mois. Ah, j'ai montré, j'ai sorti le steak. Hein. 2 mois ferme pour attentat à la pudeur. Eh ouais, 2 mois. Il peut pas. 2 mois ferme pour attentat à la pudeur. Eh ouais, 2 mois. Trois, deux. Attends. Deux mois ferme pour attentat à la pudeur. Eh ouais, 2 mois. Photo. On y va ? Allez. Ouais. Allez. Attention, silence, s'il vous plaît, retournez. Encore un peu, si tu peux, on triche. Je suis pas dans le cas, là, hein, pour l'instant. Si. Tu te recules un jour. On est toujours. Oh, vous êtes lourd, vous faites exprès. Attends, vous avez jamais mis autant de temps pour en mettre. Enfin, oh, ouais. Attends. Allez, on fait passer, on y va. Ouais. Action. Excuse-moi. La question de notre jeu portait sur la bonne façon de rédiger un constat amiable. Eh bien, nous avons... Ah non, ris pas, merde. Eh bien, le gagnant de ce concours est parmi nous aujourd'hui. Vache, faut des crampons. Eh ben, Dom, t'es tout bleu, qu'est-ce qu'il y a? Continue, sois bon. Eh bien, le gagnant de ce concours... Le gagnant de notre concours est parmi nous aujourd'hui et il va avoir le privilège. Le gagnant de notre concours est parmi nous aujourd'hui et il va. Mais parce que je suis tombé réellement. Bon, on fait comme on a dit pour tout à l'heure. Hé, hey, et la montre. Hé, hey, regardez, une Breitling. Hé, hey, c'est pas formidable? Hein? Elle est pas magnifique? Mais non, mais si, arrête, Jean-Claude. Mais il est trop sublime. Mais rit pas, elle est pas bien. Bon, on est d'accord pour le... Hé, pour... Hey, la toquante. Il vous a montré sa toquante? Hé, hey, regardez, une Caltox. Hé, hey, elles sont garanties 200 ans. Il y en a 2 dans le monde. Hein? Oh non. Mais fais pas des trucs comme... C'est si beau un copain la nuit dans la poêlade. C'est avec moi, hein. On commence. C'est si beau. Merde, attends, on commence. Putain, tu chantes pas, Yvan. Bah, c'est toi qui. Mais la poêlade, c'est à toi, Yvan. Mais oui, justement, je suis prêt, moi. C'est si beau un copain dans la nuit dans la poêlade. Que si un jour tu t'ennuies, sois pas malade. Je colle trop, je colle. Dans la poêlade. Oh merde, je m'y attendais pas. Oui, c'est bien ça, ouais. Dans la poêlade. Que si un jour tu t'ennuies, sois pas malade. Dans la... Prends une petite sécu, là, j'ai un tout petit poids. Mec, on fait des tonnes à cause des trucs. Ok, on y va. Hey! Souris! Dans la poêlade! Hey, canard, si j'arrive, t'ennuies! Oh putain, fais chier! C'est si beau un copain la nuit dans la poêlade! Oh là là! Oh, je me rame! Dans la poêlade, que si un jour tu t'ennuies. Oh merde! Putain, il était bien celui-là, chier! C'est de ton. C'est toi qui as voulu compliquer! Bah, moi, la déconne! Moi, je place le sanglier qui pète! Ouais, t'es... Bah attends, tu rigoles? Hé, regarde, t'as vu ma cravate? Ah ouais, c'est vrai. Non, mais t'es sûr? Non, mais regardez-moi ça, c'est de con, ils sont fait tout beau, tout propre, t'es gentil. C'était quoi ton truc? Oh non, elle était bonne, putain!
Qu'est-ce qui t'arrive? Hé, hey, je suis féru du... Voilà. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Il y avait la bonne direction, j'ai pris la petite bretelle. Oh là là, là là, là là. Hé, hey, mais Malma! Mais... Alors? Mais qu'est-ce que tu fais? Hé, hey, mais Maëva, mais il va falloir que tu t'y fasses. Oh là là. Hé, mais Maëva, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je suis féru d'humour, moi. Je joue mal. J'y suis pas. Oh, mais je suis féru d'humour, moi. Attends. Mais c'était bien. C'était bien. Comment tu me trouves? Oh, pardon. C'est plus ça. Ouais. C'est pas moi. Moi, je suis féru d'humour, hein. Putain. Oh, oh, la misère. Et pourquoi tu dis que rebond compte, hein? Il est mignon, hein. Il est mignon, il débute. J'adore son enthousiasme, naïveté, comme ça. Il reste bien une chance pour que je puisse récupérer mes mercredis, quand même, Hervé. Non, bah, y a autant de chances que tu récupères tes mercredis, un petit rôle qui venait, là. Mais c'est pas possible, mais comment ça a pu arriver? Non, c'est la direction, ça. Oh, putain. Sûr de sûr? Sûr de sûr. Pour? Pour. Pour. Pour la carrière, hombre. Pour sûr? Pour sûr. Pour sûr, mais... Et là, si j'allumais les pâtes de fruits, mais aussi les marrons glacés... J'ai aussi le broyeur. Maintenant qu'ils sont sauvés, il faut y aller. Sauvés, il faut y aller. Dis donc, faut se réjouir. Quand même. Je sais pas, je m'en rends pas compte, mais... Maman, excusez-moi. J'ai tellement concentré sur ma mastication que... Ah oui? Il ouais. A quoi, ton citron? Oh, je suis une gomme. Pomme de terre. Oui, mais avec des frites. Non, mais pas en frites. Ah tiens, Fred. Ah merde. C'est quoi ça? C'est mon sac. Ah bah ouais, mais que je la foute, c'est ton sac, ça va? Ah non, 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 stop. Tu l'avais super mal fait. Ouais, tu l'as dit. Complètement dingue, elle me l'a épousé derrière, dis donc. Elle t'a épousé là. Alors, je suis sûr qu'elle m'a explosé le terrain, c'est vrai. Mais arrête d'être sûr. Parce que... J'ai pas dit ça. Mais si. Ah bon, d'accord. Oh, mais t'as vu ça, elle m'a explosé le... Hein? Ouh, faut que je me renseigne auprès de Jean-Claude. Oh, faut que je me renseigne auprès de Jean-Claude. Non, que c'est le journaliste qui a écrit ça qu'à la cantine. Des algues, des radis marinés, et puis alors pour le coup. Des radis marinés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des radis marinés. Hey, mais comment ça t'est venu l'idée du japonais? Ah, les soucis, cette fois, c'est le progrès, c'est l'avenir, maintenant que tu m'emmerdes. L'autre, il t'envoie, mais c'est... Ouais, mais qu'est-ce que tu veux encore? Mais ils ont oublié le pain épinard. Mais il n'y a pas de pain épinard, c'est japonais, imbécile. Alors, faut la petite écranche un peu du steak frit pain épinard. Mais il n'y a pas de pain épinard, c'est japonais. Putain, sans déconner, faut que... Oh non, c'est un knappe, Jean-Claude, ferme la porte, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Il est con. Oh non, c'est un snuff. Ouais, tout ça, ça va changer. Enfin, c'est une arnaque, voyons, c'est des vitamines. C'est... Mais non, mais non. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est les étudiants qui prennent ça avant les examens, c'est ça là. Tu en prends un ou deux quand même là avant le sketch. Ça te stimulerait les neurones. Je vais te faire un stimule transit, moi, tiens. Mais dès que je suis une brute tant à l'intellectuel, et ben. Oh
Ah bah ça y est, l'ours est sorti d'hibernation. Mais faut lui laisser le temps de sortir de l'hibernation à mon cerveau, tu comprends? Oui. Oh. Mais c'est de l'agression pure et simple. Et ferme cette porte, mon Dieu! Tu putain! Plus d'idée. Ah si, tiens, je vais dessiner ma bite. Pas de merde. Cette pique me fait hurler. Ah, ah si, si, tiens, je vais lui dessiner ma bite. Ouais. Voilà. Ah si, tiens, je vais lui dessiner ma bite. Ouais, comme ça, t'es sûr de pas faire de faute dans ton corps. Il la dessine, ce con. Mais je t'assure, Jean-Claude, tous les chasseurs de la région sont partis à sa recherche. Ils veulent retrouver un mandi. Ah, dis donc! Dis donc! Dis donc! Merde! Putain! Tous les chasseurs, tu dis? C'était un vrai défilé. S'il en manque un, faut me le dire. Ouais. Parce que avant midi, ça m'étonnerait qu'ils se contentent de manger des cornflakes. Après midi. Ah, après. Putain, putain. Attention. C'est comment la phrase? Un lion, je t'assure. Hein, tous les chasseurs de... Je t'assure. Tous les chasseurs sont de sortie. Ils veulent le tuer avant midi. Parce qu'après, ça m'étonnerait qu'ils se contentent de manger des cornflakes. Attends, elle est bonne, elle est bonne. Tous les chasseurs, dis-tu? 2 heures que je suis bleu. Le lion est mort ce soir. La 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 la. Oh, ce serait grand ça. Jean-Paul Clarence, il chante Le lion est mort ce soir. Hein, et si tu te fais bouffer le bras, moi je t'aiderai pas à mettre la serviette autour du cou à la cantine. Ainsi que les clowns. Oh, Dieu soit loué. Mais enfin, Gérard, laisse. Oh, si vous me prenez par les sentiments, alors. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est hallucinant aujourd'hui. Hein. C'est un festival. Mais, c'est depuis que je suis arrivée ou c'était comme ça? Ouais, je sais pas. Ça, ouais, un peu. Ah, depuis que t'as pété ta pizza décongelée, là, il y a une sorte d'ambiance là, dans toute la. Je sais pas, t'as dû lâcher un P. Tu vois, un P toxique. Un truc, on est tous en train de respirer les champignons, on va tous vomir. Allez. Dans 5 minutes. Mais enfin, genre. Il va chasser le renard. Merci. Assassin. Oh, dis donc, lâche-moi. Hein. Assassin. Oh, mais... Assassin. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Venir, ça va, Jacques. Eh oh. Eh, putain, mais c'est pas vrai. Oh. Quoi? Mais taisez-vous, putain, on a du texte, nous, derrière. Mais l'ascenseur, y'a personne. Mais j'ai pas rien, mais putain, c'est quoi ce bordel? Le sketch de dingue. Si, mais c'est... Si, je vais la prendre, c'est sûr, je vais la prendre. Oh. Oh, attends. Oh non! Oh la honte! Oh là là, hey, on s'en souviendra tous! Hein. Oh, attends, ça tournait pas, c'est bon! Ça tournait! Comment ça, ça tournait, Cisco? De quoi je me mêle? T'es viré, toi! Tout est enregistré. Oh putain! Tu déconnes, un lion? Je t'assure, Jean-Claude. Même qu'il y a tous les chasseurs de la région qui sont là en train de le chercher parce qu'avant midi, ils ont peur qu'après. Ah ouais! Pas... Merci. Hé, pardon. Merde. Ben alors. Excuse-moi, je t'ai un peu jeté là. Ouais. Pardon. Ben... Elle le fait super bien. Excuse-moi. Mais tu le fais, je prends bien, ça me fait rire. Ce serait possible de le... Qu'est-ce que t'as là? Bien joué. Tu peux... Quand est-ce qu'elle arrive, la chaise? Mais t'es con, quoi. Ah ouais, ça y est, ça me revient. J'en ai vu des comme ça sur les aires d'autoroute. Il y avait... Qu'est-ce que t'as? Non, c'était pour le faire du bien que tu l'as frappé avec l'extracteur. L'extracteur. J'ai raison de me rajouter des mots comme ça, moi. Non, c'était pour faire du bien que tu l'as frappé avec l'extracteur. Allez, c'est mon petit quart d'heure, c'est mon petit quart d'heure. C'était pour lui faire du bien que tu l'as frappé avec l'extracteur. Ah non. Pour lui faire du bien que tu l'as frappé avec... Bonjour. Bouge pas, toi. Silence. Non, c'était pour faire du bien que tu l'as... Je veux pas de commentaires. Il n'y en a pas, c'est très bien.
extincteur. Extincteur. Non, c'est pour lui faire du bien que tu l'as frappé avec l'extincteur. Non, laisse tomber. Non, je sais, c'était pour lui faire du bien. Non, c'était pour lui faire du bien que tu l'as frappé avec l'extincteur. Oh, il était pas mal celle-là. Non, c'est pour lui faire du bien que tu l'as frappé avec ce truc. Salut tout le monde. Ça va? C'est quoi? Ouh là 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 là. C'est quoi? Bah c'est bon, il est sauvé. Hein? Oh génial! Ouais ouais, mais on lui a encore tout piqué. Hein. Oh mon Dieu! T'as qu'à m'éclater l'oreille, Yvan. Hein, c'est pas moi. C'est un tout petit peu moi. Le Monique qu'elle a rencontré, c'est pas moi. Mais ouais, je me disais bien. Allez, file. Alors le Monique qu'elle a vu, c'est la tentative fumée. Oh là là, grosse fatigue. Ouais. Un grand con avec l'air brun. Ça c'est rare. Hein. Ça, ou alors c'est un noir. Hervé, faut appeler le monteur, hein. Voici le budget. Ok, très bien, merci. Tiens, pardon. Excuse-moi. Je me fais chier. Ce bordel. Monte-moi, monte-la-moi. Oh, mais c'est super bien fait, les gars. Voilà, ça y est. Oh non! Oh là là, Bruno! Mais comme, mais attends, j'appelle! Est-ce que quelqu'un peut réagir, Pauline? Ils m'ont pété. Allez, quelqu'un se... C'est quand même pas compliqué, Sylvain, pousse-toi! Tu la prends par la taille! Il rit déjà! Non, mais attends! Oh, mais c'est pas possible! Mais quelle mule! Regarde! Ah bah j'ai... Je me suis maté un petit dé au cul. De la merde au cul? Un docu de la merde au cul. Bon bah alors au début il y a la maman tortue, elle est là, tranquille hein, mm-hmm. C'est l'été. Non, t'aurais dû te jeter dans la fosse Nancy, t'aurais dû. Je suis fatigué. Alors tu vas prendre ma chambre? Non, bah non putain. Oh quelle détente. Jean-Claude Van Damme is back. Tu as fait fou de Maurice Chevalier? Bah ouais, je... Ah bah oui, mais forcément, si tu jettes le bâton en l'air pour récolter le grain, il se casse, hein. Ça, si tu récoltes le grain et qu'à la fin, le bâton, il se casse, il est con aussi, celui-là, alors. Et c'est normal, ça aussi, si tu jettes le grain et que tu récoltes la pierre, et ben à la fin, le bâton, il se casse. On peut plus que... Non, toi, t'es dedans. Oh, il y a eu de la vautrasse dans l'air, là. Putain, on a fait attention, t'as vu les dames, on a couru comme ça. Pour être sûr de pas les... En levant les genoux. Ça va, Jacqueline? Et bon, ça, c'est une journée qui commence bien. Alors, Armel? Ouais, j'arrête. J'arrête, je vais faire... Putain... Super, Jacqueline. Alors, Jacqueline, ah bah non, faut que je te dise, t'as rêvé de moi. Ouais, tu vas le faire. Ouais, toi, tu vas le faire. Tu vas le voir, tu es là. T'es vu, mince, il était peut-être... Non. Pardon, on y retourne. Tu me fais peur. Tu me fais peur. Ah, quel con. Je vais rendre une petite visite avec 4-5 potes qui font de la cuisine. Une basket pour les gosses, bon bah ils s'arrangeront à tour de rôle hein. Dis-moi les verres, toi qui es calé en fortiche. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller lui dire que tu voulais être son fils spirituel? Non mais tu te rends compte dans quelle guêpière tu t'es fourré? Hein? Non, je recommence hein. Pourquoi le luxe, c'est qu'une question d'emballage. Je peux très bien faire vas-y. Il n'y en a plus. Je peux très bien faire peser. C'est sociologique. Pourquoi l'emballage? Comme quoi l'emballage? Qu'est-ce que ça veut dire, Kéduc? C'est-à-dire que tu peux aller passer une deuxième couche sur la bombe. Ah merde! C'est parti! Pas un, Oui. Oh, il est joli ton rouge à lèvres. Merci. Oh, t'as un nouveau fond de teint? Mais
Excusez-moi, ça me rend hystérique. Oh, il est joli ton rouge à lèvres, Jeanne. Merci. Je t'ai vu venir. Le regard que tu m'as fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'uniforme pour hôtesse, mesdames, hein? Je n'ai pas été prévenu. Je n'ai même pas dit mon texte, même. Une certaine idée d'une justice... Vévert, Vévert, oui. S'il te plaît, je suis pressé, là. Eh ben, une paire de jumelles et... Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vois le reste, c'est tout. Voilà. Ah ben moi, j'aurais bien curieux de savoir ce que t'as acheté, moi. Mais t'as un truc dans la bouche. Il y avait un steak, là. Je vois, t'as un steak. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez, on y retourne. T'as raté ton collagène. Ah ben moi, je serais bien curieux de savoir ce que t'as acheté, moi, comme cadeau, hein. Ben celui-là, tu viens de le montrer. Mais oui, comme con. C'est Noël, merde, c'est la paix, c'est les guerres s'arrêtent pendant Noël. Oh là 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 là. Oh là là. Même les guerres s'arrêtent. Oh, l'impro patinoire. Allez. Mais dis donc, où est-ce que t'as été élevé? Tu vois pas qu'on est tout ballonné, là? Pourquoi tu ris? Parce que tu me fais rire. Le culot du mec, où est-ce que t'as été élevé? Tu commences là-dessus. Edith, il va falloir qu'on fasse les comptes, hein, parce que depuis le début de la grève des cantinières, c'est moi qui paye la note du... Non, c'est lui! C'est Sylvain, là, non? Tu ris depuis le début, je te vois, dans le dos, je te sens rire. Je vois ton petit corps qui se gondole. Pars pas un peu en couille, ta femme, là? Bon, dis donc, c'est facile de critiquer quand on compte sur l'autrui, hein. Je sais cacher, hein. Mais tu ris de pute. Il rit tout le temps. Tu joues comme une pompe. C'est vrai? Je suis pas. Mais c'est-à-dire que quand... Oh, depuis le temps que je suis dit et tout, tu me fais hurler. Tiens, mets-moi ça dans le bousin parce que moi, j'y connais pas. On est en temps. Ah, le bousin. Je l'avais pas entendu depuis 1933, celle-là. Oh la vache, le bousin. Jingle bell, jingle bell. Somewhere there from there's the don't jungle bird. Et puis, hey, c'est pas la peine d'essayer de te faire la cerise, hein. Parce qu'avec Interflora, ils vont te retrouver, hein. Paul, Interpol. Paul, parce que c'est Paul qui se... Te faire la cerise. Te faire la cerise, j'ai failli partir. Ouais. Oui, Paul, ouais, c'est lui qui s'en occupe maintenant. Très sérieux. Non, mais dans ton truc. Se faire la cerise, ça veut pas. Se faire la cerise, ça veut dire se tirer. Avec Interflora, ils vont te retrouver tout de suite. Hein. Interpol, Paul. Ouais, c'est Paul qui s'occupe de ça d'ailleurs maintenant. Ouais, c'est Paul. Interpol, c'est Paul. Ouais, maintenant c'est Paul qui. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, pardon. C'est bien, non, avec... Daniel, je suis désolé. Hein. Ce que je sais, c'est qu'il s'agit de la ville de Vite. Mes amis sans-abri ont trouvé de quoi être logés sans qu'on aille les déloger ou nul ne pourra les trouver. Vraiment? Mes amis sans-abri. mes amis sans-papiers sont maintenant sans bien... Sans-papiers, pas sans-abri, c'est pour ça que je me plante depuis tout à l'heure. Mes amis sans-papiers ont trouvé de quoi se loger sans qu'on aille. Ça tournait pas, là. Il y a eu un bruit, non? Paul. Ouais, maintenant, c'est... En plus, c'est Paul qui s'en occupe, maintenant. Ouais, sans compter que... C'est moi aussi, en plus. Et puis pareil qu'il est... Polo, il paraît que c'est un sévère. Je te dis, on l'appelait le casseur de genoux à une époque. Exactement, c'est exactement ce qu'il y a en ce moment là, exactement. Putain, elle me le dit, je le refais, mais je suis trop con, moi. Putain, mais tout à fait. Mais qui plus outre? Mais qui plus outre? Ah oui? Et délocaliser la production de la Moldavie. Ils ont rien vu. Oh. Allô, un cours. T'as vu ce qui s'est passé chez Metalex? La boîte qui est en bas à l'angle de la rue? Non. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Regarde, il y a un salé qui a foutu ta bande. Il est mignon. On recommence. Attends. Oui, mais non, on voit le fil à mort, là. Mais tu te démarres, ridicule. No balls. Je t'ai jamais fait le coup du pingouin?
Quoi? T'as vu ce qui s'est passé? Regarde en bas chez Bête Alex. La... Bon, je me présente quand même, hein. Ça peut te servir. Hervé Démon. Hervé Démon, putain. Bruno, te trompe pas sur ton nom, quand même. Hervé Mion. Hervé... Oh là 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 là, putain. Il faut que t'ailles voir ton médecin, je te reconnais plus. Hein. Faut qu'il te prescrive du DR. Je me suis jamais senti aussi seul, moi. Oh, j'ai refait. C'est pas vrai. La même. Je me suis... Bon, ça, c'était ma cassette. Je fais quoi, maintenant? Ah, bah, écoute, je sais pas. Hein, prends ton texte, par exemple. Allez, June, hop. Allez, saute, hop. Allez, hop, hop. Putain, quel dresseur, regardez, hop, la leçon, vas-y. Hop, hop, allez, allez, June, hop, hop, allez, saute. Mais il est abruti, ce chien. Allez, hop. Bah ouais, il me regardait avec ses grands yeux de chien abandonné, là, sur le parking. Alors, qu'est-ce que tu veux, j'ai fait monter dans la bagnole. Mais t'as pas... Ça a tourné avec des animaux. Mais ce qu'il fait prendre le dos, c'est que le mec, là, il court toujours, il l'a toujours pas attrapé. Alors imagine si c'est un tueur de série, qu'est-ce qui l'empêche de s'en prendre à nous maintenant? Oh, c'est rare, hein. Ça... C'est pas Floyd. Qu'est-ce qui s'est passé chez Metalex? Regarde, il y a un cinq... Oh, dis donc. Ah, là, Yvan, je te sens parti, là. Allez, non, Jean-Claude. Oh, ta gueule, tu vois pas que je suis en train de chier? Ah non, c'est un rythme assez... Hey.